Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis Goliathroom de Police Roleplay Community FR et aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer ce que sont les équipements et véhicules de la police et des shérifs sur ERLC. Alors, vous allez me dire que ça a l'air sûrement très simple, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de complexité. Donc, on va dans menu, on va choisir les shérifs et je vais faire un tuto. Donc, qui va uniquement être du côté shérif, mais bien évidemment, que ce soit de ce côté ou de la police, c'est les mêmes, d'accord? Je vous montrerai juste les différents emplacements, etc. Donc, je ferai les deux, mais je vais surtout beaucoup parler dans les shérifs, plus que dans la police. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc maintenant que je suis shérif, vous voyez que vous avez les lockers pour les uniformes. Donc c'est très simple, pour changer d'uniforme, vous appuyez sur E pour change loadout. Et vous avez les uniformes. Donc dans les uniformes, vous avez le standard, donc pour les recrues. L'uniforme with jacket pour les deputies ou les officiers du côté de la police. Donc vous voyez, hein, je vais les porter. Donc les recrues. Au-dessus de recrue. Maintenant pour les Game Pass, vous avez le détective. Côté police, côté shérif. Et le Game Pass du SWAT, côté shérif. Ensuite, vous avez les gears. Vous avez le Riot Shield qui est pour les recrues. C'est un bouclier qui réduit les damage, donc à vous de choisir ou pas si vous avez envie de réduire vos damage. Le bâton pour pouvoir frapper les suspects. L'icône pour remplacer en RP. Vous pouvez placer que 4 cônes en RP. Hein. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ouais. Il y en a un de plus. Mais du coup, vous avez le droit de placer 5 cônes et pas plus. Ensuite, vous avez les flares. Alors les flares, c'est généralement pour les accidents, signaler un accident en posant une flare. Donc voilà. Ensuite, vous avez un spray au poivre qui vous permet de... d'en jeter sur quelqu'un et donc cela vous permettra de le mettre à terre pendant une demi-seconde. Maintenant le taser qui est un équipement pour moi obligatoire en tant que policier dès que vous pouvez l'avoir parce que il faut comme vous le voyez le grade de deputy donc d'officier dans la police qui vous permettra de taser une personne. Alors c'est très important le taser parce que il va vous être utile pour pouvoir arrêter un suspect en fait. Lorsqu'il va se prendre le coup de taser, il va tomber par terre et vous pourrez changer pour prendre les menottes et l'arrêter. D'accord? Donc taser très important. Il a un temps de rechargement lorsqu'on s'en équipe, comme vous pouvez le voir ici, en bas, mais aussi lorsque vous tirez. Hop. Maintenant, si on prend par exemple les stop sticks, donc ça si vous l'avez à partir de caporal, vous pouvez les poser au sol. Vous pouvez choisir l'orientation avec la touche R. Et vous pouvez le poser au sol. Le véhicule qui roulera dessus, en fait, tout simplement, il sera. Sera. On va dire il sera donc stoppé par le stop cycle, les pneus éclateront, voilà. Donc ensuite on a le fusil à pompe bang bang pour les lieutenants. Hop. Donc pour moi très important, enfin pas pour moi pas important, il vous permet, c'est un peu comme un taser mais en moins efficace, juste vous pourrez tirer plusieurs fois mais pour moi il est moins efficace parce qu'en fait il va tomber par terre, il va se relever quasiment tout de suite après. Il y aura un petit temps mais bon, pour moi voilà. Si vous avez les marqueurs pour le détective, donc ça c'est uniquement pour le RP. Donc si par exemple je l'enlève, hop, on peut mettre que 4 marqueurs, voilà, j'avais confondu avec l'icône tout à l'heure mais c'est uniquement 4 marqueurs. Donc pour le RP,
Donc maintenant, vous avez les binoculaires pour les détectives, le polystyle pour les détectives. Donc je vais vous montrer comment que ça marche. Hop. Donc en fait les binoculaires, bah voilà, c'est des jumelles, tout simplement. Et par contre, pour le polystyle, ça c'est pour le RP. Donc en fait, par exemple, si je prends cet endroit et que je mets là, voilà, vous pouvez placer des petits banderoles pour empêcher la population de passer. Donc ça vous empêchera pas de passer et vous pouvez en placer que deux. Hein. Donc voilà pour le RP. Il y a aussi une range dessus, donc vous pouvez pas non plus le mettre de n'importe où à n'importe où. Hein. Là ça va, c'est pas trop loin. Là non plus. On va tester. Ça va, il y a quand même une longueur assez conséquente. Hein. Comme vous pouvez le voir. Mais là, vous voyez, je peux pas. La bande est trop longue. Donc voilà à peu près la longueur qu'il a. Pas mal, pas mal. Donc maintenant, on va passer pour les équipements SWAT. Donc le bouclier balistique et le bélier. Et là, vous allez voir que ici, vous avez les tenues de SWAT complémentaires. Donc le casque et la tenue. Et la tenue, vous avez le choix soit pour le skin classique, soit. Non, soit pour le skin classique, soit pour le 2.0. Voilà, selon votre skin. Moi, par exemple, pour le mien, il me faudra le carré. Parce qu'on perso est carré. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous présenter le bouclier balistique. Alors, le bouclier balistique, vous pouvez l'utiliser si jamais vous avez un pistolet. Si vous avez un pistolet, que je n'ai absolument pas. Je vais vous présenter le locker d'armes, du coup, l'armory qui est ici. Hop. Donc pour utiliser le bouclier balistique, vous avez le choix entre utiliser la touche H pour le flash ou G pour équiper un pistolet, si vous avez un pistolet d'équipé et vous pouvez tirer avec, voilà. Maintenant, on passe au locker d'armes. Donc, en tant que recrue, vous avez ça, le shield 9, un fusil à pompe en député, le Glock 17 en caporal, l'M4 en sergent, l'MP5 en sergent, 5-7 en lieutenant, le Sauer en capitaine, le Type 89 en major, le Space 12 en colonel, et le modèle 29 en chef deputy. J'ai 36 autorités pour le SWAT, uniquement pour le Game Pass de SWAT. Donc, petite particularité, en termes d'armement, je pense que la meilleure arme en Game Pass, c'est bien évidemment l'Ozorista 5000. Mais par contre, pour vous en tant que policier, si vous cherchez une arme qui fait du dégât et qui tire assez rapidement, je vous conseille l'M4 et le MP5, d'accord? Je trouve que le MP5 pour le combat rapproché, comme dans la vraie vie d'ailleurs, c'est une arme qui fonctionne extrêmement bien. Je vous conseille aussi le Space 12 et le fusil à pompe si vraiment vous voulez faire beaucoup de dégâts rapidement. Ça quasi one shot si vous êtes assez proche. Par contre, faut avoir du shoot, hein. Ça vous demande relativement beaucoup de shoot. Donc moi, je préfère être avec ma M4, même si je joue tout le temps avec le Glock 17 pour le RP. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le côté armurerie, et vous avez vu le côté locker pour les uniformes et les gears. Maintenant, je vous montre juste comment on prend des munitions. Maintenant, vous avez tiré. Vous avez plus beaucoup de munitions en bas à droite. Vous venez dans les ammo box qui sont marqués par des petits icônes avec des points d'exclamation en surveillance. Vous appuyez sur E. Votre arme va se ranger et ça va vous marquer que vous avez récupéré vos munitions. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré mes munitions en bas à droite. Maintenant, côté shérif, lorsque vous voulez aller prendre un véhicule, vous sortez ici, vous tournez à droite et vous avez le parc à véhicules directement ici. Ici, vous allez avoir une multitude de véhicules selon le grade. Donc, vous faites comme vous voulez, c'est à votre choix de RP ou de tryhard, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir sur les véhicules, ici, vous pouvez voir le grade qu'il vous faut pour avoir le véhicule. Donc, si par exemple, je vais être recrue, c'est recrue. Et là, par exemple, c'est Bug. Alors, Bug, c'est Rookie NA, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de grade, mais vous avez juste besoin de l'acheter. Donc, le véhicule aura un certain prix en fonction de ce que vous avez. Et vous pourrez le prendre ou non, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez voir qu'en véhicule payant, vous avez. Avec de l'argent dans le jeu, vous avez le BMK Munich,
Vous avez le Falcon Stallion 350, qui est magnifique. Hein. Vous avez le 2011 Bullhorn pour Chrysler Pursuit. Vous avez le Falcon Advent SSV. Le Shelvan Camion PPV. Le 2008 Shelvan Camion PPV. La Falcon Interceptor Sedan. Et la Shelvan Capitaine. Alors, comme vous pouvez le voir, selon les véhicules, elles sont des marquages différents. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Mais d'abord, je regarde, je vous montre juste donc le rang acquis. La puissance, bon là c'est mal, mais c'est le chevaux. Vous pouvez voir la puissance des véhicules. Par exemple, vous voyez que la Falcon Prime Equess, elle fait que moins de barres. Par contre, si je vais aller sur la Corbetta, qui est le dernier véhicule, il faut être colonel, c'est 4 de puissance et quasiment un demi. Donc, si jamais vous voulez acheter un véhicule, mais que vous n'avez pas le grade nécessaire, vous pouvez. Par contre, ça sera payant. Vous devrez le payer avec des Robux. Donc maintenant, je vais vous montrer la modification de véhicule qui se trouve ici. Donc là, vous voyez la couleur standard, etc. Mais ça n'a pas d'importance, c'est que pour les civils, on va dire. Donc du coup, pour les packages, c'est très simple. Vous cliquez ici. Donc vous pouvez aussi modifier les véhicules dans un mode shop qui se trouve en centre-ville. Voyez que si vous pouvez modifier, vous avez plusieurs options. Donc viseur light, tout simplement pour avoir les lights devant, ici. La light bar, c'est la barre qu'il y a au-dessus. Donc ça, c'est le slick top, celle-là, là. Le viseur light, c'est uniquement pour le Game Pass slick top qui se trouve dans le mode de jeu. Je vous mettrai en description le mode de jeu et vous irez dans le shop. Ensuite, pareil, rear window, window light, donc c'est cette barre light ici. Donc c'est pareil, c'est pour les véhicules slick top uniquement. Donc pareil ici, le side runner qui apparaît ici, comme vous pouvez le voir, il est en surveillance. Donc c'est uniquement pour les slick top. Et donc après, pour le plat side et le side window, donc vous l'avez ici. Et la plat side, vous l'avez ici. Et ils sont en surbrillance, là. Le walkover, c'est pour avoir le véhicule en civil. Donc ça, généralement, c'est uniquement pour les undercover, qui est un game pass aussi. Hop, la page var, devant. Pareil, vous pouvez pas l'enlever, vous, parce que c'est uniquement pour les véhicules undercover. ALPR, qui se trouve derrière. Hop, qui vous permet d'accéder au système ALPR du véhicule. Et la Warapound, donc la Warapound qui est une extension de barre, on va dire. Donc la lumière, c'est tout simplement le spotlight qui est juste ici. Vous voyez que là, il n'y est pas. Et quand je le mets, il apparaît. Et donc voilà. Ensuite, on a le superviseur marking qui apparaît juste ici, tout le temps à l'avant des véhicules. Si vous êtes major, vous pourrez le mettre. Maintenant, dans la modification de véhicule, on a aussi accès à la 5G en état. Donc vous pouvez la mettre absolument où vous voulez sur le véhicule. Vous voyez. Hop. Là le haut profil, donc c'est une petite antenne. Hop, qui est juste ici. L'antenne courte. Là on la voit pas beaucoup, donc là vous la voyez. Hop. Là je l'ai mise là. Hop. Et la longue, donc celle-là est plus grande. Bon, bien évidemment, ça c'est avant tout de la déco, hein, ces antennes-là. Par contre, le système ALPR que je vous ai montré juste avant, celui-là, c'est pas de la déco. Le système ALPR vous permettra de vérifier les plaques des gens sans accéder aux fichiers en fait, pour savoir si quelqu'un est re recherché ou pas. Et donc, du coup, ici vous avez soit Home, donc c'est la version Shadow. Ça c'est pour les grades Capitaine et plus, pour avoir ce marquage. Donc ça c'est normal pour tout le monde. Undercover c'est payant. Et le Shadow c'est pour les capitaines et plus. Donc voilà, maintenant vous faites spawn votre véhicule. Et donc maintenant je vais vous montrer quelques petites caractéristiques sur les véhicules de police. En bas à droite, vous avez le système ELS. Donc c'est tout le système de lighting de votre véhicule. Donc le cruise pour un marquage simple. Le rear pour un marquage arrière unique en cas de contrôle. Et le plein du coup pour un marquage total. Donc ce qui vous permet de lancer des poursuites.
Ensuite, vous avez un accès Home. Donc, en fait, ça, c'est le manuel, en fait, qui marche aussi avec V, la touche V. Et l'auto qui va passer du Well, du VIP, du Priority, il va tout faire. Et ça, c'est vous qui le faites manuellement. Donc, la sirène classique, c'est le Whale. Vous avez le Yelp et le Priority. Donc, vous voyez, pour la sirène, vous avez aussi la touche C qui est indiquée. Et ça commence à auto avec le C. Auto, si vous rappelez Whale, si vous rappelez Yelp et encore Priority. Maintenant, vous avez le Left Alley. Donc, sur ce véhicule, ça se voit ici. Mais sinon, sur votre véhicule, vous le verrez sur la light bar au-dessus. C'est pour éclairer la partie gauche de votre véhicule. Le right alley, qui va cette fois-ci le côté droit. Le takedown, c'est devant vous. Et le spotlight, c'est le spotlight, tout simplement. Ensuite, vous pouvez contrôler le spotlight avec gauche ou droite, avec les petites flèches, comme vous pouvez le voir. Ici, avec là, le côté de votre véhicule, vous voyez. Reset pour qu'il revienne à sa position initiale. On le désactive ici. Maintenant, on va voir le trafic. Donc le trafic, tout simplement, c'est pour dire aux gens où est-ce qu'ils doivent aller. Donc là, par exemple, c'est les gens doivent vous dépasser par la gauche. Les gens, si jamais vous êtes au milieu de la route, les gens peuvent vous dépasser à droite ou à gauche. Si jamais vous êtes à gauche, ils peuvent vous dépasser par la droite. Et si jamais les gens ne peuvent pas passer, c'est celle-ci. Donc ça, c'est pour le système ELS. Maintenant, le radar. Alors, le radar, c'est très simple, il marche d'une certaine manière. Alors, en fait, c'est tout simple avec le radar. Lorsque vous avez le radar d'activer, en fait, ici, vous avez le front et le rear. Donc, rear, c'est derrière, et front, c'est devant. Donc ça va être la vitesse qui va être affichée en temps réel des véhicules qui vont passer devant et derrière vous. Et le top speed, ça va être affiché la plus grande vitesse qui a été effectuée sur le radar, donc de devant et de derrière. Et donc en fait, selon la limitation qu'il y a, vous pouvez procéder au contrôle grâce à ce radar qui est directement dans votre véhicule. Et donc pour ceci, je vais essayer de vous trouver un véhicule pour vous montrer comment ça marche. Je vous dis à de suite. Voilà, donc là par exemple, devant moi il y avait une ambulance et elle a été tapée à 42 km/h. Donc maintenant je vais vous montrer le système LPR. Alors il faut que le véhicule soit derrière vous. Et en fait, vous allez voir. Alors là il me capte, voilà, donc là vous voyez, il me capte la belle horn. Donc c'est ce véhicule-là. Donc vous avez le véhicule, le modèle, vous avez la plaque et le regular owner, donc c'est celui qui a le véhicule. Et là vous voyez qu'il est recherché. Donc c'est la personne qui a dans ce véhicule. Bon là j'imagine qu'il n'y a personne dans le véhicule. Voilà, empty ça veut dire que le véhicule est vide. Et donc voilà, vous avez vu le système LPR et le radar. Maintenant je vais changer d'équipe pour vous montrer le spawn du côté police. Et j'en aurai fini pour cette vidéo. Et donc voilà du côté police, cette fois-ci. Oh là, j'ai encore le. Hop. Voilà. Donc ici vous avez le locker donc pour les gears et les équipements. L'armurerie et pareil les munitions. Donc vous sortez directement en génération de véhicules. Et vous avez exactement les mêmes véhicules, c'est juste pas le même marquage. Et donc pareil, donc pour avoir les couleurs comme ça en fait, il faut avoir le véhicule shadow, donc être capitaine, et ensuite aller dans couleur, et vous pouvez choisir la couleur de votre véhicule. Donc voilà. Et là par exemple, je sors le véhicule. Et voilà. Et donc du coup, ce que je vous disais, pour le right alley et le left alley, il apparaît en haut si vous n'avez pas la barre d'en bas.
Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse vous abonner et lâcher un like. Et je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos. Allez!